C'est parti, c'est parti. Il m'a dit que ça. Que ça. Il m'a dit que ça. Rien à foutre. Pourquoi il m'a pas écrit rien à foutre? Moi, je trouve le concept trop bien, le Spectra, de pouvoir le jouer contre toutes les factions et de le rendre si intéressant. Bonjour à tous, je vends ma Clio V2. Biturbo, 4 sorties de pot automatique, full roule, uniquement à l'huile de tournesol. PV intéressé, 100% d'origine Pachino. Tu vas jamais me croire, j'ai jamais fait de cascade, mais non. Comment c'est possible ça? Attendez, j'ai trop de lumière d'un coup. Ah, c'est bon, c'est enlevé. Je suis chaud. C'est pas la cascade, Oursi Gang. Pff. Ah ouais, les gars, c'est fini, c'est trop. J'ai dit mot pour mot. J'ai dit mot pour mot, Oursi. Ah les gars, il n'y a pas Kappa en fissure. On va partir sur Kappa. Du coup, je vais faire lever le cap avec Dagat et Furis. Aujourd'hui, on ne se comprend pas, les gars. Aujourd'hui, on ne se comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, aujourd'hui, je sais pas, il y a un problème. Vous m'entendez mal, peut-être? C'est chaud, allez, vas-y, vas-y. Sola et Master. Sola Lune. T'as toujours laissé le M, hein, t'as toujours laissé le M. Il y a une dernière place, les gars, pour ceux qui sont intéressés. Et après, j'explique le build. Je suis chaud s'il y a une place, allez, vas-y. C'est parti. Bon les copains, aujourd'hui on va jouer Dagat avec le Furis Incarnon. Donc je vous présente le build du Dagat. Alors Dagat les gars, je l'ai déjà présenté celui-là, d'accord? On a déjà fait un level cap avec ça. C'est juste que j'ai modifié une arcane, qui est l'arcane précision, pour s'adapter à mon gameplay. Donc là, je vais jouer la version avec Rhino, d'accord? On va jouer avec Court Répit, on va jouer pour la survivabilité, même si j'ai le troisième pouvoir qui va bien me faire survivre. Si vous n'avez pas bien chaussé accru, comme d'habitude, vous mettez bien chaussé normal et vous intégrez le mode courage au niveau du build, donc il faut sacrifier un petit quelque chose. Voilà, par exemple, on pourrait facilement sacrifier Constitution. De la durée, un petit peu de portée pour au moins le deuxième pouvoir. Pour pouvoir l'appliquer sur un maximum d'ennemis qui se trouvent face à nous. Pour les cavaliers, quand on les jette, voilà, qu'ils puissent facilement toucher notre cible. Voilà. Ça, c'est un petit peu de portée, c'est intéressant. Flux aussi, flux pour avoir un gigapool d'énergie très important. Là, on va jouer sur le passif de Dagat, les copains. Le passif de Dagat qui est 35% de chance que les orbes d'énergie et de santé soient 300% plus efficaces pour Dagat. Donc on va jouer là-dessus. Et puis écoutez, alors, si je dis pas de bêtises, ça fonctionne pas avec équilibre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en parlait justement hier et j'avais été vérifié. Ça fonctionne pas avec équilibre, mais pour les autres orbes que je peux ramasser, ça peut fonctionner avec équilibre. Et je peux me mettre bien niveau énergie. Roulade parade pour la survivabilité et puis intensité, voilà tous les modes de puissance. Jouer avec un maximum de puissance est intéressant. J'ai besoin, alors si je sais plus exactement, j'ai besoin, je crois que c'est 240%, un truc comme ça, 250%, pour avoir le strip armure à 100%. Mieux augmenté, voilà, quand il va monter en niveau, j'aurai un strip à 100% sans problème. Après, vous verrez par vous-même que le 4 est destructeur. Et beaucoup trop fort. Alors je vais jouer, vu que je vais jouer des Furis, je vais jouer sur les statues. Je vais jouer avec Rugissement hein, de Rhino, qui est très très bien. De toute façon, je vais directement avoir le viral sur mon arme. Je vais jouer avec effet secondaire qui va pouvoir appliquer pas mal de statues. L'arcane précision va me donner ma base damage. La version Incarnon fait déjà des dots de feu. J'aurais pu aussi remplacer un mode pour pouvoir mettre. J'aurais pu remplacer Déluge Mortel pour pouvoir mettre ici
le mode de feu. Voilà, j'ai pas forcément la place. Pas trop grave, il fait déjà du feu. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Les Praidos, les gars, ça va être mon anti-acolyte. Comme d'habitude, j'utilisais Praidos essentiellement pour ces points-là, pour la vitesse de course et la vélocité de parcours. Et le build, c'est ça, les potes. C'est, voilà, avec, il faut polariser hein, pour mettre Souverain Proscrit, qui est une des meilleures postures que vous avez parmi toutes les postures qui existent. On le joue en viral et voilà, on lui met des giga cachous. Exposition en mêlée aide beaucoup les gars à faire beaucoup de dégâts sur le sur l'acolyte. Le Furis n'est pas un bon anti-acolyte, c'est pour ça que je vais le jouer. Au niveau des évolutions de mon Furis, je vais jouer avec l'augmentation des chances de statut plus 28%. Augmentation de la précision plus 50%. Alors ici les gars, les trois choix sont bons, hein, d'accord, c'est vous qui voyez. Et ensuite, avec exo-bouclier, augmente les dégâts de plus 30. Bon, en frappant les ennemis affectés avec un statut électrique, je vais plutôt mettre ça pour le plus 40, parce qu'il suffit que, j'applique un statut électrique avec les statuts que je vais mettre avec Encumber pour que j'en bénéficie en fait. J'aurai un bonus de tir multiple. Donc là, pour le cas présent, je vais le mettre. Ouais, vas-y, j'arrive en vocal. Je sais pas pourquoi mon Discord il bug à chaque fois, ça me fait un écran gris, je suis obligé de le reset. Trop bizarre. Fais secondaire, c'est rien. Si tu mets pas Flame Cascadia, ça sert à rien, mais Flame Cascadia c'est plus fort. Ça détruit les acolytes. C'est juste pour ça, j'ai pas besoin. C'est surtout pour les. L'acolyte, j'ai les Praidos, ce que je veux, c'est pouvoir tuer facilement les... Merde, comment ça s'appelle les démolistes. Après, mettre l'arcane que tu as dit, c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est juste que moi, j'aime bien jouer des trucs feignants. Ça va mon poteau ? Ouais, toi ? Ah, ça va tranquille. On attend juste Sola. Vulga, tu veux venir en vocal avec nous aussi ? Mon Vulga, comment il va mon Living Pizza ? Ça va ou quoi ? Bonjour à RedGX. Là, on est déjà full, poteau. Oui. Oubou. Et pourquoi pas ? Je sais pas si tu peux déjà venir sur le channel, Vulga. Il me semble que... Ah ouais, normalement il peut. Normalement tu peux venir, poteau. Normalement, les gars, je fais vraiment en sorte que on soit en bonne intelligence. Normalement, n'importe qui est sub à la chaîne, il peut venir là sur le vocal. Enfin, vraiment du principe que personne ne fera jamais de conneries. Et dans le pire des cas, si quelqu'un veut jouer au petit malin, venir sur le channel et vite se barrer, sachez qu'on a des logs qui disent qui est entré dans un channel, qui en est sorti. On le retrouvera instantanément. Bon. Yo mon Vulga, ça va ou quoi ? Allez. Okay, allez. Ça va et toi ? Ça va. Ça va. Impeccable mon living. Allez, c'est parti ! Je vous ai tout expliqué. Bon, je vais jouer en Vazarin, hein, comme j'avais dit. Le compagnon... En ce moment, j'adore jouer, les gars. En ce moment, j'adore jouer Vergla. Je vais jouer Vergla. En ce moment, j'adore jouer le Vergla, les potes. Ne me jugez pas. Ne soyez pas dans la jugeance. Pop. Je joue en viral feu, hein, d'accord. J'ai un even, dégâts de tir multiple, chance de statut aussi qui aide pas mal. Oh, il aide beaucoup, hein, les gars, quand je veux fumer n'importe quel ennemi, même un démoliste, il participe beaucoup dans les fights. Mais ça permet, voilà, quand il y a un ennemi qui s'approche de moi, il meurt en fait. Voilà, y a pas de... la question ne se pose même pas. Allez, c'est parti. Vous avez joué quoi, vous ? Ici on a un petit Neza avec Solalune. Neza, bon, il a appelé Floflo, Toto et Solalune ses armes, donc on pourra pas savoir ce qu'il a. Ouais, c'est comme la dernière fois, Vubonico et Vasto. Ah, Vubonico et Vasto. L'EM, j'ai pas eu le temps de voir. Bah comme la dernière fois, on repart sur la même guerre. Ah ouais, c'est quoi ? Bah j'ai aussi le Furis. Yareli Furis. Hein. Yareli Furis, ok. Et notre très cher Vulga, revenant Felarx. Ok, ouais. C'est très bien. C'est très bien, revenant Felarx. Toujours viable, hein, on est d'accord. Hein. Pour éviter de me faire péter la gueule, surtout. Ouais.
On n'aura pas besoin de relever notre très cher ami ici présent. Donc quand vous arrivez dans la mission, les copains, avec... La map est bonne ? Bon, on est bien, hein. Ah putain de ouf, ouais, ok. Ok, ok. Attends, mais c'est pas... faut même pas attendre, on peut tirer tout, on peut tuer, là, c'est bon. Ouais. C'est ça. Je change le casseur de cascade, donc non. Allez. donc les gars, premier truc qu'on fait quand on arrive dans la mission, je mets mon troisième pouvoir, d'accord. Donc là, je bénéficie d'un bonus de crit damage. Ensuite, dès que j'ai besoin, si j'ai un ennemi un peu plus coriace, je peux lui mettre la tribulation, donc avec le deuxième pouvoir, qui va et lui mettre des dégâts viraux et doubler la quantité de crit damage que j'ai sur la cible. Et aussi, un dernier truc que je peux faire, les gars, regardez, quand je fais la tribulation comme ça, je mets mon 4, tous les ennemis qui se trouvent là-bas devant moi, ils vont tous mourus. Voilà. Du verbe mourure. Ok. Donc la priorité là, ça va être de mettre les clés le plus vite possible sur les différents pods, de manière à très rapidement... Non, il y a bloqué des ennemis, là. Voilà, je les strip. Je mets mon incarnon et là je fume tout le monde sans problème. Je le strip en mettant mon 2 plus mon 4. Et après, je le fume avec mon arme. Alors normalement, j'ai pas forcément besoin de mettre... Ça, c'est la version incarnon, les gars. Ça fait un espèce d'Atodai, ça fait un espèce de Kamehameha. Ah, c'est dommage, t'as mis la clé en même temps que je l'ai ramassé. Ah, mais tu pouvais pas le voir, t'inquiète. Ça s'est fait très très vite. Bien joué. Donc là, on se remet entre les deux salles, toujours, les copains. Alors, je le dis pas à vous, je sais que vous savez. Plus pour les gens, pour qu'ils puissent connaître un petit peu nos réflexes. Ça va faire boum boum. Comment il va, mon Ernitro ? Bonjour à Shiro Pixel. Bonjour à Rainbow. Comment allez-vous, les copains ? Ça va ou quoi ? Donc voilà, je leur colle un bon Kamehameha dans le crâne. Ça leur fait beaucoup de bien. J'ai un Grinir l'autre jour qui a témoigné, les gars. Il a dit, tu sais, Panda... Quand tu mets ton coup d'Atodai là dans mon gros crâne, ça fait plaisir quand même. Je sais que je passe une bonne journée. Voilà, quand j'ai la flemme d'aller chercher tous les ennemis, je mets mon 2, je mets mon 4. Ça fume tous les ennemis qui se trouvent devant moi. Même quand ils seront level 10 000, ils vont mourir. Hein. C'est bon à savoir. Ouais. Voilà, donc excellent le Fury, c'est potes. J'allais dire excellent la Todai, non. La Todai, ça pue. Non. C'est moins bien. La Todai, ça pue sa mère. Et là, le tir, il ressemble beaucoup à la Todai, mais sauf que. Sur le Fury, là, ça fait des dégâts, tu vois. Par contre, t'aurais dû. Vas-y, dis. Ah, qu'est-ce que t'as dit, poteau ? Moi, je parle à moi-même. Non, moi je disais, pour le Furis, t'aurais dû garder l'autre évolution, pas celle avec les lecs. Ah ouais ? Ouais. Tu penses que je vais être pénalisé là dans le... Bon, tu vas level cap facilement, mais l'autre est quand même mieux. On va D'accord. dire c'est plus constant. Ok, ok. Là, c'est vrai qu'il faut que j'attende que... Bah, tu vas les tuer avant de mettre les lecs, en fait. Ouais, ouais. Ça ici, c'est pas ça, hein. Eh oui, c'est... ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Je vais m'adorer tout le temps. Hein. Mais je vois pas d'Eximus, j'arrive pas à charger mon... T'es fait. Au resto. Après, on calme, je... Bonjour à The Trout, bonjour à Big20Cent. Bonjour à vous les copains. Par exemple, pour lui, tu vois, ça aurait été mieux. Enfin, ça aurait été mieux, c'est déjà fort, mais ça aurait été encore mieux. Confirme, je suis un Grinir. Par contre, ça vaut pas la salle qu'on avait la dernière fois. La dernière fois, quand on avait fait le level cap... Ah, deux séances ici, les gars. Je vais prendre les deux, pardon. Vas-y. C'est la lasse en plus qui est beau.
Non mais ça tue trop. J'aurais pas dû prendre le molosse. Je suis en train d'exterminer une map. Ah ouais quand même. On est là. Salut à Maoli, salut à toi. Je viens de test Sevagot, je l'avais dans mon arsenal sans avoir que c'était une dinguerie. Ah ouais c'est fort hein. C'est fort poteau. Bah, je vais directement mettre la science. On peut s'éviter d'avoir un doublon. Ok. En tout cas, n'hésitez pas les gars, si vous avez des questions sur le chat, profitez-en, on est en mode chill. Profitez-en pour les poser. Je récupérerai des questions au fur et à mesure pour les traiter. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es un vilain garçon. Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as tué un mob que je voulais mettre un coup de... Ah merde. Un coup derrière le dos là. Ah merde. C'est lâche, ça c'est pas bien. On va faire ça. Ouais, mais ça a pas mal chargé une. Morgane. Ah oui, c'est vrai, vu comme ça. Je vais crescendo, j'aimerais bien faire des. C'est beau, t'es excusé. Tu vois, tu peux pas charger avec le Vazar, hein. C'est chiant. Mais ouais, parce que. Je sais pas si c'est fait exprès d'ailleurs, ça. Ouais, je sais pas, mais c'est chiant. Le problème du verglas, c'est que ça fume tous les mobs trop rapidement. On avait plus de mobs au milieu dès le début de la manche. Bah tu vois si tu joues Spectra par exemple, tu ouais. m'envires le feu et tu mets l'antifac. Parce que je sais pas si t'as vu, il le prime à chaque fois. Le mob. Et du coup bah tu mets l'antifac et le feu et tu lui fais un itinérite. Ouais ouais. Je le mets déjà l'antifac et le feu. Ah bah nickel. C'est ça que tu faisais aussi autant de dégâts. Non, il m'a volé ma clé. J'ai une question concernant les apothiques. Pour avoir pouvoir grandissant, il faut craft l'apothique en particulier. Ouais, c'est le tombé de la nuit, hein, si je dis pas de conneries. C'est pas un crépuscule ? Non. C'est le tombé de la nuit qui te le donne. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'apothique. Je crois qu'il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs des growing power. Il faudrait qu'on en refasse les gars. Il y a un guide hein, sur Discord, Maoli. On a fait un petit guide pour expliquer comment faire. Soit dans Build les guides, tu tapes apothique. Ou alors tu peux checker. Là, tu fais point exclamation plate. T'as un guide pour farmer les plates et tu verras dessus ce qu'il te faut. J'ai la clé blanche. Ok. Je vais le chercher avant qu'on me le vole. Je crois qu'on a la dernière clé, non ? Je crois pas pour Mathieu. Ah, ouais, je l'ai pris là. J'arrive avec. J'ai la jaune là. J'ai la dernière. Ah, toi aussi ? Bah, vas-y, je te laisse la mettre si tu veux. Pas besoin de ton arme principe. Ah, maintenant tu joues Furis. Ok. Ah, je peux le mettre alors. Tant que j'ai des charges, hein, je peux pas mourir. Mort pas ici.
Comment ça va ici? Ça va très très bien et toi, KG7? Ça va très très bien et toi? Je suis revenu foutre ta gueule. C'est quoi? Bien joué. Alors pour le moment on a fait 7 rotations en 10 minutes, c'est très très bien. Ajouter des builds spéciaux pour... Alors bah écoute, s'il y a des gens qui veulent présenter des builds spéciaux pour aller faire du circuit, pourquoi pas. Je les one shot, c'est trop chiant. Je pense qu'il y a quelques-uns qu'on peut le faire assez facilement. Et en plus il se plaint. Il y en a quelques-uns qu'on pourra faire assez facilement. Le faire pour toutes les frames peut-être pas, tu vois, mais le faire pour au moins la moitié des frames, on pourrait faire quelque chose. Avec Voruna, on aurait plus tendance à la jouer full range. Mirage, pareil, on jouerait un truc un peu plus particulier. Je pense qu'il y a pas mal de frames qu'on jouerait des trucs plus particuliers. Et, bon, après, tu vas difficilement pouvoir caler les shards nécessaires à chaque fois. Il y a certaines frames pour les rendre viables. Sarine, par exemple, c'est pas giga viable en circuit, hein. À moins que t'aies deux shards vertes, ça peut être sympa. Et une arme qui clean pas mal, tu vois. C'est pas giga ouf. Je veux l'autre, je veux l'autre, je veux l'autre. Là, tu manges tout, c'est terrible. Hein? Ah, ok, tu fais le démo. Bonjour à Belling, bonjour à... tu es content du rendu de la cam? Ouais, moi j'aime bien là, hein. J'aime bien, regarde. Ça va, non, poteau? Bon, ça me fait une peau un peu claire, mais... c'est la qualité de la cam, tu vois. C'est vraiment bizarre. Ouais, je fais jaune. Pourtant, j'ai changé la couleur de la lumière et tout, tu vois. J'ai une lumière, je pouvais diriger la couleur. Là, le jaune, c'est l'autre, hein. Vraiment, il faudrait que je m'achète une deuxième K-Light. Tu vois, ça va me coûter 180 balles de pouvoir te satisfaire. En vrai, allez. C'est ok. En vrai de vrai. Ouais. Tu pourrais faire l'effort, hein. Moi, je sais. 180, c'est quoi, 180. 180, c'est une OP, voilà. C'est une heure de stream, là, et c'est bon. Oh. Je fais les 110, je suis là. Terrible. C'est une dizaine de T3, c'est bon. Ça suffit. Dizaine de T3, il a dit. Bah ouais, ça se quantifie en relique, bien sûr. On se parlait plus des seuls T3, mais ouais. Ah oui, pardon. Moi je pensais que tu parlais de la lead T3, tu vois. Mais non. Elle n'était pas dans le GA. Pardon. Oh, et tu l'as volé comme ça? Ah non. Ah, t'es en enfer. Je te déteste. Bonjour à Grebeu, bonjour à Setokun, j'espère que vous allez bien. Désolé. J'ai faim sur le. Oh, c'est pas ça comme ça avec ta voix. Ça aussi. Ça va être mal compris ça. Non, mal petit bien. Hop. Allez, on se buff là. Je dirais que le fond est un peu clair, la couleur est trop chaude je trouve. Bah vas-y, un soir on se cale tous les deux et on règle la cam ensemble comme on a fait la dernière fois Rainbow. Rainbow les gars, il connaît, il travaille dans le cinéma et tout, il sait quelle couleur il faut mettre. Deux clés sur un pack, je suis content. Ouais, je suis content, il y a deux Eximus que je voulais slasher et ils sont fait tuer instant. C'est moi la bleue, toi t'as la sien. Ouais bah ça va. Je savais pas laquelle j'ai prise. Théo c'est de la triche. Je vois plus. Ah mais ici c'est le spawn des clés hein. C'est le spawn des clés, des morts. Ah, arrête de me voler mes clés. Après c'est toi qui vole tout. Oui, c'est on sait que c'est toi qui vole. C'est lui. Arrête hein. Tout, pardon. Non moi je dis c'est pas moi, quelqu'un de bien moi. Bonjour à Mayhem aussi qui est là, comment ça va copain? Dis-moi, je viens de débloquer l'Elmint. Une fois que tu sacrifies une frame, tu as son pouvoir quand tu veux.
Il faut recraft la frame à chaque fois. Non, non, tu l'as quand tu veux. Là, quand tu veux. Là, tu peux mettre l'Elmint sur 15 frames, c'est pas un problème. Voilà. Donc, généralement, le premier qu'on fait, c'est. Ah, il y a un Bobo Nico qui traîne là. Bonjour. Ah, ouais. Ah, par ici. Ouais, j'ai ping, t'inquiète. Ah, ouais, il traînait bien. Ah, ouais. Tiré. Là, généralement, c'est le premier que tu récupères, c'est Rhino. Tu peux mettre Rhino partout, c'est pas un problème. J'ai voulu te le voler, ceux-là. Hein? T'as dit quoi? Je sais pas très entendu. J'ai voulu te le voler. Ouais, voilà, c'est pas cher. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il a ouais. Essayé. T'as un bon essai, bon essai. J'étais trop loin. Ouais bah alors ce soir je travaille Rainbow, ce soir je taf, mais si t'es chaud mercredi soir, hein. Mercredi soir on se fait ça. Moi j'aime bien comment ça rend, hein. Après bon je suis pas un homme de goût donc peut-être que je me trompe hein, mais... Ça boit la joie ça. Bois de la villageoise. Ah merde, j'ai failli tuer. Ah. Failli faire une connerie là. Non, trop pas genre. Ah ouais, t'es jury Mayhem, sois gentil, mets-leur tous 20. sur 20 sur tout le monde. Qui c'est qui passe son bac demain? Y a un bifton à donner, un petit pot de vin là. À Mister Mayhem, si vous voulez. C'est de la corruption, ça. Je le connais. Celui qui veut pot de ventiser quelqu'un, il y a Mayhem, les gars. J'aurais aimé que mes profs acceptent la corruption. Mayhem, je me posais une question l'autre fois, poteau. Bon, tu sais qu'il y a pas mal de passages ici, parfois je peux un peu me mélanger. Je me posais la question, si c'était toi le Mayhem que je connais depuis 107 ans, qui travaille dans la communication et tout ça là. Je me disais, mais c'est lui ou pas? Est-ce qu'il vient de revenir sur Warframe après une longue absence et tout? Ou alors je te confonds avec un vieil ami? J'avais un vieux pote là qui faisait de la com. Enfin, vieux pote, c'était un viewer de la commu, hein, mais. Ah, bah c'est toi! Ah, bah voilà! Putain, ok! Et tu sais, ça m'intriguait depuis le début, tu vois. Je me dis, putain, c'est lui, c'est pas lui. Est-ce qu'il avait des chiffres à l'époque? Je me souviens pas, tu vois. Ah, bah voilà! Incroyable! L'arcane, ah bah écoute, ça fait plaisir. L'arcane confinement, elle se trouve où déjà? Little Duck sur Fortuna. Merci. Je viens de me rendre compte que ça marchait sur les inconnus. Après, tu sais que c'est probablement la question qu'on me pose le plus, poteau, tu sais. Comment ça se fait que tu l'as pas déjà? Répondez pas. Je répondrai qu'en présence de mon avocat. Ah oh merde. Obligé de prendre un avocat pour ça. En tout cas, bon retour, mon Mayhem. Hein. Et j'espère que les affaires se portent bien depuis tout ce temps. Tu fais une petite pause business pour jouer un peu à Warframe. Je vais vous le laisser ça. Ah ouais. J'ai même pas sûr que je m'en laisse film. Je pouvais le tuer avant mais je voulais le film de quoi. Ouais. Oh, je me dis, je vais vous le laisser, ça ira plus vite. Bah, toi, toujours. Ouais, ils sont en compétition entre les deux là. Ouais, je vois ça. Non, dans le respect. Ils ont parié mutuellement leur voiture. Ah, non, c'est pas si c'est que la voiture. Non, je ne dirai pas ce que j'ai comme voiture. Oh, un petit truc à 300 000, tu sais. Et une Clio 2. Ah parce que ah j'ai... Ouais, moi j'ai une Clio 4 euros, donc si tu veux on peut parier hein. Un peu délavé. J'ai éclairci la lumière, oursi.
Il disait que j'étais jaune. Alors je me suis dit, bon, allez, ça a l'air de le perturber. S'il l'a dit, c'est que ça le perturbe. Il vaudrait mieux l'enlever. Il m'a dit, je suis pas bien. Ça a failli quitter le stream. Ça me perturbe presque autant que la PP Discord. C'est une perturbation. Hein. C'est une disruption, en fait. Hein. Voilà, il... À ce niveau-là, il voulait quitter la mission. Ah ouais. Le Discord. C'est quel ampli qui marche le mieux? Ce qui marche le mieux, c'est de jouer Madurai HR25. Voilà, je sais. Alors les gars, je vous le dis parce que sinon on va me reprendre 115 000 fois. Les gars, visiblement, une Eru, ça marche bien aussi. Et il va falloir que je vous apprenne à jouer une Eru en cascade. Et Narabon. Surtout si vous jouez, si vous jouez en plus, quelque chose que... Enfin, des trucs immortels, là, les joueurs vraiment... Ouais. C'est plutôt pas mal, je vous en parle prochainement. En fait les gars, quand vous mettez votre deuxième pouvoir, en fait ça va vous mettre un Cetus Wisp, ok? Et en fait ce Cetus Wisp, soit il vient sur vous, mais il peut aussi aller sur un de vos copains. Donc théoriquement si vous le lancez 4 fois, eh ben il y en a au moins un, il va aller sur vous. Et ça vous permet d'avoir 100% de damage supplémentaire, voilà. Donc les gars, il y a de plus en plus de gens qui jouent une Eru plutôt que Madurai. Mais vu qu'il n'a pas précisé le très cher HR25, en fait il y a une erreur les gars qui est faite par beaucoup de gens, énormément de gens. Ils pensent qu'il faut d'abord penser à l'ampli et après à l'arbre de focus. En fait c'est l'arbre de focus qui augmente considérablement tes dégâts avec ton amplificateur HR25. Alors... Bien évidemment, le meilleur buff de dégâts que vous puissiez avoir, ça reste le Madurai avec le premier pouvoir. Et vous l'avez pas tout le temps, hein, il a 40 secondes de recharge si je dis pas de bêtises. Évidemment qu'une Eru est plus constant les gars. C'est pour ça que il est de plus en plus apprécié et en plus il permet d'avoir un strip armure. Donc ça permet de se soucier de ça en moins quoi. Les deux du même côté, on rêve. C'est beau. Buzz en quoi dans le social, poteau? Bon, il y a le R, hein, je pense qu'il doit y avoir une clé, mais comme je joue principal, je peux pas me permettre. Donc... Merci, ouais, grosse pause. J'ai ma petite agence qui tourne sans moi. J'ai une belle équipe. Ça m'a permis de me consacrer à l'enseignement en école supérieure et pour ma première fois depuis 3 ans, je peux prendre des vacances très longues. Et donc de retour sur Warframe, bah c'est fou ça, que le step up de malade là que t'as fait mon très cher Mayhem. Bah force à toi en tout cas, hein. Force à toi. Bien joué en tout cas. J'ai une zone pour la rota d'après. Nickel. Ça y est, ça commence à être MH4. Oui. T'as été full. Non. C'est pour ça que c'est drôle. x9 non. x8. Okay. Non mais... HR25, bien sûr qu'il marche bien. Bien sûr qu'il marche bien. Mais si je te donne là tout de suite, je te donne le bon ampli, tu vas me dire mais pourquoi j'arrive pas à faire autant de dégâts que toi? Ça sera ta prochaine question, je te le garantis. Il faut que non seulement tu vas chercher, alors celui que j'utilise c'est le Clamora, tu mets ce que tu veux en support, Certus, d'accord? Ça marche très très bien. Si tu utilises n'importe quel ampli crafté avec une attel qui augmente tes crits, donc soit le Lorrain parce que t'as que de la réputation de Cetus, ou alors Certus parce que t'as aussi la réputation de Fortuna et celui de Fortuna, donc le Certus fait plus de crits, offre plus de crits, donc là, là tu seras bien. Mais ça restera nul si t'as pas d'arbre de focus pour l'accompagner en fait. Ça restera de la merde. Et tu continueras à dire mais putain j'arrive pas à faire comme Panda tu vois. J'arrive pas à faire comme lui, probablement qu'il m'a mal conseillé, probablement qu'il cheat. Il est buffé par des E, c'est un vendu, il a un gros crâne, voilà tu diras plein de choses comme ça tu vois. Dernière option c'est possible. Alors, il y a une chose qui est vraie dans le loop, mais voilà.
Je dirais pas laquelle. C'est une rumeur, c'est une rumeur. Oui. Ouais, la caméra dit des rumeurs. Enlève la casquette pour voir. C'est moi, je suis pas encore mort, les gars. Quand je vais mourir la première fois, vous allez voir la version spectrale de Dagat. J'essaierai de m'en rendre compte et de vous interpeller dessus. Vu que vous avez un feindre la mort avec notre très cher Dagat. Comment pour récupérer cette clé? Il y en a une en haut. Alors, là. Bonjour à Kirod, bonjour à Stanou, bonjour à Décro. J'espère que vous allez bien, les copains. D'accord. Ah oui, ok. Non. Oh, t'es fragile un peu? Non, j'ai dit, j'étais en train de montrer du coup la clé. Ah, ok. J'ai récup. J'ai réussi. Et je suis monté sur le petit truc devant. Et j'ai réussi à la. T'as fait la courte échelle à l'EM? Ouais, c'est pour ça qu'il s'est mis accroupi. Oula. Pour aucune autre raison. C'est dur de jouer avec vous deux, les gars. Pardon. Faut pas jouer avec nous. Trop dur. Bon, le prochain. Non, t'es pas mort, tu vois. C'est pas dur. Là, il balise le terrain pour pas que je tue un seul démoliste. On bloque et tout, tu sais. Bon, la dernière clé là. C'est là. Ou pas? Non, je l'ai pas. On fait quand même la réponse. Parce que là, je fais un, dos, tres. Et il n'y a toujours pas la clé. Je vais le taper. Le problème, je cède l'agence à mon équipe, en gros projet qui va m'occuper toute l'année. Ah bah, tu veux nous spoil un peu? Oh, mais voilà un sub tier 2. Sub T2 de la part de K2. Je passe en sprint comme Ghost pour faire un coucou, puis je vais aller me mettre en boule dans mon lit comme Grendel. Pandalove. Repose-toi bien, mon BFK2. Repose-toi bien, mon copain. Je t'embrasse très fort. Merci, merci infiniment de ton soutien. Je vais me mettre en boule comme Grendel. T'es le roi, mon frérot. T'es le roi. Un immense merci à toi. Bonjour à Gentio. Bonjour à Yapish. J'espère que vous allez bien. Et côté crâne, je suis en bonne voie d'avoir le même. Mais non! Ah ouais, tu sens que sur les côtés, ça commence à partir. Ah ouais, c'est le premier signe. Hein. Mais ces signes de puissance, d'intelligence, de tous les... Putain. De toutes les qualifications possibles positives. Tu peux. Mec, au moment où j'ai vu que j'ai plus de vie, je passe en kilo, mais il y a plein de temps. Il est mort dans la crotte, non? De toute façon, je ferai la démonstration quand ils sont level 10 000 de à quel point c'est trop bien. Vous me laisserez faire une rotation tout seul. On lui laisse pas l'occasion. Vous me laisserez une rotation à la fin. Ouais, de ouf. Trop. Ouais. Tu peux récupérer la petite clé ici. Ah, ça va et toi, mon frérot, Yapish? Juste regarder. Je suis pas grand chose non plus, hein. C'est bien, il fait tout, je suis sûr. Même pas. Ouais, parfait. Regarde mes kills. Oh, mais moi, vas-y, frère, aussi je cheat. Bah oui, tu cheat. Et toi, hein. Y'a moyen que tu regardes ma Titania. Envoie-le-moi, je regarderai après, poteau. Je peux pas regarder en game, mais là, on en a pour encore une petite heure. Moins d'une heure, et on a fini. Ah, direct au milieu HR, ah ouais non mais ça c'est l'élite. Ça c'est l'élite de la nation. Tu te rends pas compte de la chance que tu as, hein. Parce que toi c'est radical. C'est pas comme ceux qui perdent un peu sur les côtés. Olé. Et ils peuvent encore espérer que ça s'arrête, tu vois. J'ai pris les... Perdu. Trop rapide. Il y a un peu de ça. Il nous manque une clé. Ouais. En plus, vous jouez mal depuis tout à l'heure, les gars. Très mal. Waouh. Ok. Bah ouais. Vous précipitez sur les démolistes plutôt que de faire tomber les clés. C'est la règle numéro 1 en perturbation. C'est toi qui dis ça. Moi, je vais chercher. Moi, j'ai l'espoir de tomber sur un démoliste.
J'ai que l'espoir, je n'ai rien d'autre. Moi, ouais, regarde, là, tu vois, c'est dernier, donc regarde. Moi, je cours dessus, parce que c'est dernier. Moi, j'attends. Je suis au milieu depuis une heure. Regarde. Quelle bande de menteurs. Je m'assois tellement vous mentez. Non, c'est tout. Regarde, tu vois. Tu vois, il s'est rien passé, mais t'as vu, hein. T'as bien vu, là. Hein. Oh, ça va faire boum boum, là. Ouais. Votre trip photo à travers la planète et par la même occasion il serait un livre sur une méthode d'enseignement que j'ai mis au point. Oh bah putain, tu t'arrêtes jamais, tu fais jamais de pause poteau. Essaye d'avoir 12 enfants, Mayhem, parce que t'as l'air d'avoir beaucoup d'énergie. 12, tu serais capable de correctement les élever. Et tu fais pas ton road trip, tu fais pas ton... Ce qui est le plus épuisant, c'est de les faire les 12. Voilà. Ça, tu fais une équipe de foot avec un remplaçant. Voilà. Je les mets tous au foot. Puis qu'il y en a un qui réussit, et tu te mets bien. Une gosse, ça fait beaucoup d'allocs quand même. Hein. C'est vrai que. Et les autres poteaux. Ah, bah j'avais cru que j'avais une clé, mais non. Okay. Attendez, juste fermé à l'écart. Ah non, fallait pas mettre son commit, ça va tout tuer. Désolé. Vas-y, panda. Ouais, ouais. Merci d'avoir essayé le M. Toi, t'es un vrai le M. Quoi, je t'ai. Toi, je t'aime. Tu vois comment je suis ? Tu restes au milieu et tout. Sache que je t'aime plus que sur la lune, ça c'est irréversible. Moi, je t'aime pas aussi. Regarde là ce qu'il fait avec son unicorn là, ton revenir là. Ouais, je banane. Revenuta ? Revenuta ? Pardon ? Enfin, en tout cas, le premier qui a été déployé, il a un nom, même. Ouais, c'est Josette. Bah, il y a marqué Revenuat, c'est pas la même chose. Ouais, mais j'ai fait un petit diminutif. Ouais, c'est Todd. Non, c'est Tad. Genre, vraiment, au premier degré, il s'appelle Tad. Ils sont bien. Oh, il n'y a pas de clé. Mmh. 12 filles, 12 garçons. Allez, bonne chance. Bonne chance, Mayhem. Oh putain, au moins sera protégé. Ah, j'en doute pas, Mayhem. Hein. Faire une pause en disant que tu vas faire un road trip du tour du monde, c'est une sacrée pause. Hein. Non, cela. Quoi ? Oh, moi. Alors, il y a des mobs, je les tue, non ? Ouais, il pourra même pas montrer pour Mais c'est au level cap qui montre qu'il a. Ouais, dit... je montrerai la dernière rotation, je ferai une rota tout seul. Il me laisse pas jouer les mecs là. Ah, mais notez leur pseudo quand même, hein, si un jour vous avez l'occasion d'avoir un groupe avec Solalune et l'EM, les gars, vous savez que vous allez vous amuser. Hein. Non, vous allez pas vous amuser. Là, ils sont en constante compétition avec eux-mêmes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris en otage quelqu'un de leur famille et qui a dit si tu fais pas le plus de kills, le plus de kills de démo, je lui arrache un ongle. Voilà. Laisse-moi faire tranquille. Voilà. Ah. Bon, je te laisse le démoliste. Ah bah non. Il est trop chaud. Ouais, le démo quoi. Bonjour Arcagi. Docteur Vulga, t'abuses quand même. Oui, ah, c'est ça, ouais. Regardez les dégâts infligés, on en reparle, d'accord ? Ça veut rien dire. Sache que si un jour je commence à devenir chauve et moche, je me rappellerai de toi et à quel point tu es hideux avec ton crâne cosmique, t'as pas intérêt à me jeter un sort d'archi-chauve. C'est trop tard. T'as prononcé le mot magique. Chauve. Non seulement tu vas être chauve, mon très cher Orsigang, mais hideux
ne sera même pas suffisant pour te qualifier. Oh, on devra inventer un nouveau mot. Un mot tellement puissant, tu vois, que les gens, ils diront, je peux pas le dire parce que ça va me faire un haut de cœur. D'où ça fait aussi une équipe de basket et avec 7 remplaçants. Je sais pas s'ils sortiront assez grands. Ma femme, elle est pas grande en taille. Hein. Elle est pas grande en taille. Ils ont peu de chance de finir très très grand. Elle est grande dans le cœur, c'est ça qui compte. Ouais. Bon, du coup. Salut Panda, tu as un problème de caméra? Un problème de caméra? Oh, ouais. Comment ça me vexe? Il achète une nouvelle caméra. Ah frérot, ah, je suis vexé frérot. Ah bah c'est bien, l'Argonite, vraiment t'as dit les mots qui me font mal au cœur. Il manquerait plus qu'ils me disent c'est soit ça, soit t'as la diarrhée. T'es tout pâle. Il a un problème de caméra, il a dit. Il fout lui. C'est stupide. C'est ça le nouveau mot. Ouais, ça, il s'est fait pandariser. Allez, vas-y, reprends celui-là. Sûr, il n'y a que nous qui allons le comprendre. Ça mérite un ban 12 heures, ça. Fait une équipe de tennis, il faut juste être deux. Pardon. C'est le ban, lui, gars. On n'a pas le droit d'éternuer sur le site, je pense. Ah ouais, t'as pas, bah écoutez, vous inquiétez pas, dans la semaine je vais voir avec Rainbow, on va la régler la cam. Ah parce qu'il y a 115 000 options dessus les gars. Il y a 115 000 options, il faut que je regarde un peu tout ce qui est possible. Comment il va mon petit coup, ça va ou quoi? Oh, ça va faire, oh là là, oh, j'aime bien. On va se capter. Ah, pareil si on finit de faire tout ce qu'on a à faire à 18h, les gars, je coupe à 18. Ah, mais non, il faut pas que je coupe à 18, il faudrait qu'on fasse quelques commandes supplémentaires, même si on n'a pas trop le temps. On pourrait faire quelques images de plus. Une clé. Je suis déçu. Ouais, moi aussi. Non, il y en a une là. Nice. J'ai pas pensé, mais j'ai même pas besoin de passer en incarné pour l'instant, ça me le fait quand même. Avec le basto? Ouais. Ah, il shot déjà? Ouais, bah oui, parce qu'il passe quand même en red crit, donc. Ça tape. Oh, la luminosité trop forte. Ah, oh, mais j'ai probablement des réglages à faire. Je les ai fait un peu à l'arrache. On les fera là prochainement, les copains. Comptez sur moi. Ah, c'est la clé. Je t'ai vu avancer vers la clé. Voilà. À moi. Vite. À moi. À moi. Si seulement j'avais Titania. Moi je tue vite, mais c'est après. Moi je tue vite aussi, les gars. C'est juste qu'il faut que j'attende que mes chevaux ils aient tapé le mob. Ouais, l'animation, le temps... ouais. Le temps de l'animation. C'est juste le temps de l'animation et après je suis bien. Mais tu vas être content avec le nouveau mode qu'ils vont mettre augmente du 2. Coucou, t'es beau. Ah, c'est un bon, mon Texdo.
Adorable. Comment tu vas mon frérot, ça va ou quoi? Non mais il faut qu'on la règle la cam les gars. J'ai fait zéro, enfin j'ai fait très peu de réglages, j'ai réglé mais moi je suis pas un homme de goût. Donc mes réglages ils seront jamais bien. J'ai commencé à percer sur Twitch quand j'ai laissé Rainbow s'intéresser à mes choix. Rechange. En tout cas, 25 rota en 40 minutes, les gars, c'est très très bien. Non, c'est pas ouf. C'est pas assez pour eux. Salut à Like Spoiler, salut à Kura Kura. Non, Kukara, pardon. Salut à vous, j'espère que vous allez tous bien. Pour un décor full RGB. Je te reconnais bien là. Deux clés. Ça fait quoi de beau aujourd'hui? Alors petit level cap d'Agathe Furis les potes. D'Agathe Furis. Avec deux fous furieux qui sont en compétition là. Vulga et Sola. Voilà, ils ont chacun. Ils se sont dit. Putain, ils se sont dit avant la game, t'as une Clio, j'ai une Clio, viens on la parie, celui qui fait le plus de kills, il gagne les deux Clio. Et j'ai une 206. Ah, ah, attention, j'arrive ça là. Bah, let's go. Ah, dommage. Ah, t'en avais une? Elle avait même pas encore fini de toucher le sol que t'avais posé. Donc, pas de soucis. Ah, ouais, putain, il faut qu'on l'organise ça. Oh, Mewberu, t'as pas fait l'alerte. Merci, mon Mewberu. Alors, attends. C'est pas ton premier sub sur la chaîne. Il a transformé son premier. Ça a carrément bugué, frérot. Ça a carrément bugué. Qu'est-ce qu'ils foutent chez Twitch pour que ça bug autant? C'est fou ça, hein. Tiens, vraiment, on peut éviter, là. C'est ton combien de tième mois, Mewberu? Si t'écris un message, je le verrai. En fait, si tu regardes un notif, il a juste transformé son abonnement. Parce qu'il a pas reçu. Non, ça leur a écrit. Bah moi j'ai pas transformé, c'est pour ça. Ah ouais? Ah, transformer son Prime en abonnement niveau 1, ok. Bah, le chat, le Twitch chat là, il s'est trompé, il m'a mis. A pris un abonnement et je vois sur le chat de Twitch. A transformé son abonnement. Moi c'est juste un petit bug. Au moins il est sub. Oh, on l'a eu. Bien joué. De peu, hein. Ah, de peu, hein. Ouais, j'ai deux chars jaunes, hein. Mais l'animation, elle est trop longue des chevaux. C'est long, hein, sur Dagat. Ouais. Mégate de Frost, hein. Ils ont 4. Oh, aussi. 4. On a plein de clés de mise, les gars. Et tu vas à toutes, hein, littéralement. Advienne que pourra. Non, je vais pas arriver, je suis le démolis, je suis désolé. Je suis le seul niqué dans l'histoire qui a pas eu de démo. C'est terrible. Hein. Put, on a dit. Je crois que j'en ai eu un au début. Je jure, c'est une pertu et pas une survie. Ouais, t'as vu ça? Il me laisse pas jouer. On dit aujourd'hui t'es privé, t'as raconté trop de conneries ces derniers temps, on te laisse pas jouer. Voilà. D'ailleurs on te banne,
Voilà, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ouais, tu peux partir s'il te plaît. Voilà. En vrai, prochaine fois, je prends Nova. Comme ça, je reste dans mon coin et je spam le 4. Tu serais capable de prendre une Nova Slow pour passer du coup. Ah, non, une Nova Speed, Nova Speed, c'est trop bien, mec. Hein. Là, on mettrait deux fois moins de temps pour faire la pertu, tu vois. Oh. Alors, j'exagère en disant deux fois, mais je suis un peu marseillais sur les bords, tu vois, donc c'est ok. Ah, c'est le sud-ouest qui fait ça. Salut à Maverick. La forme et toi. Les cavaliers de l'enfer. J'ai vu une alerte sur mon jeu d'un drop stream du 10 au 16. T'as un truc qu'on peut gagner via toi. Je ne sais pas, poto, j'ai pas du tout checké. Oh. Sola est mort. Du coup, j'attendais que quelqu'un vienne. Si quelqu'un peut nous dire s'il y a prévu. Mais. Ah, t'as Thérèse. Bah ouais, je peux me cette phrase. Hein. Moi, je veux juste que vous fuyez le démo, c'est tout. Hein. Je ne demande pas à moi. J'ai une blanche d'avance. Parce que moi, je pouvais pas le tuer. Bonjour, je suis. Non, j'ai transformé mon sub en. Pour 3 mois, ça m'affiche pas. Et ça s'affiche pas. Bah. Réactualise la page au pire, poteau. Je suis nouveau sur Twitch. Tu penses quoi de Hildrin avec Elmint de Chroma Spec Elec. Oh. C'est quoi ton truc là? Hildrin, Elmint de Chroma. Avec l'énergie en bleu pour avoir l'électricité. Je pense que... Pourquoi? Voilà. Pourquoi faire? C'est quoi ton objectif là? Faut que je le devine. Ça m'inspire rien. Bah si ton délire c'est vouloir proc une arcane ou un truc comme ça, poteau, t'as plus vite fait de jouer Volt avec... et son augmente du 4 parce que tu veux jouer avec plein de shield et son l'augmente du 1 pour pouvoir appliquer de l'électrique sur toutes ses armes, tu vois. Je veux dire là, je sais pas ce que tu veux faire, mais tu veux pas le faire bien. Il va le faire. Et je pense que t'as largement mieux pour Hildrin en termes de d'Elmint et tout. T'as largement plus intéressant. Bonjour à Lunix. Bonjour à Link Hunter, bonjour à Mugetsu. Ah possible Muberu. Et moi je l'ai vu en tout cas et je te remercie mon Muberu. Merci à toi, t'es un amour. Un immense merci à toi. La blanche là-bas. Quand je perds mon 3 c'est horrible. Ouais, je dirais même pas Hildrin. Après, les gars, Hildrin fait partie des frames quand même. Celui qui veut fumer tout le jeu sans avoir d'Hildrin, il peut. Hein. Je veux dire, son 2 est utile, son 1, il est très très fort. Généralement, c'est ce qu'on Hildrin pour. Pour mettre autre chose, mais je veux dire, le 1 déjà, il fume tous les mobs du jeu, hein, d'accord? Même en style pass. Hein. Tu peux jouer... son 3 est très utile, son 4 aussi... son 4, non.
Non, son 4 il pue. Il peut remplacer son 4. J'irai plus vers le remplacement du 4. Et Ildrin a besoin de rien, les gars. Hein. Celui qui veut fumer tout le jeu avec, elle a tellement de shield que quand tu commences le jeu, quand tu réussis à l'avoir, bah, tous les mobs normaux, ils passent très difficilement le shield d'Ildrin. Le passif d'Ildrin, les gars, c'est d'avoir deux fois plus de temps de shield getting. Donc par exemple, si vous êtes censé avoir, je sais pas, 2 secondes, bah, vous allez avoir 4 secondes, tu vois. Et 4 secondes, les gars, pour avoir le temps de relancer correctement ses pouvoirs, c'est énorme. Énorme. Si tu veux améliorer ton Ildrin, joue avec l'arcane Égide et Barrière. Là, clairement, tu vas te mettre bien. Mais te soucie pas de l'ennemi de Chroma. L'ennemi de Chroma, poteau, on l'utilise en support. C'est le seul vrai truc que tu as avec Chroma, c'est en support, poteau. Ah, toxine, ok. Ouais. C'est bizarre. Ouais, pour la vitesse de rechargement des armes. Voilà, comme ça, tes copains, ils rechargent beaucoup plus vite leurs armes. Et c'est assez sympa. Ou alors... en rouge pour donner une extension des PV à tous les copains. Ça fait pas aussi bien que Wisp, mais ça fait un petit quelque chose assez sympa. Ou alors en blanc pour améliorer l'armure des copains. Ou alors le bleu, c'est par rapport à l'énergie. Mais si ton délire c'est pour l'énergie... alors j'ai jamais testé, mais j'arrive pas à me rendre compte comment ça rend, tu vois. C'est pour proc l'archonte aussi, pareil. Je pense que t'as mieux en Elmint. Enfin. Tu vois, quand j'ai un doute, je peux même aller le tester. Là, j'ai pas trop de doute sur le fait que c'est pas ouf. Bonjour Ayato, comment tu vas, poteau? Ouais. Bah, jouer le mine de Rhino, Sweet. Jouer le mine de Rhino, poteau, sur le fantasma, c'est incroyable, les mines de Rhino. Laisse-moi lancer mon pouvoir, non. Tu peux aller chercher si tu veux, justement. Le bloc. Ah ouais, sous la lune. Quoi? T'es vu, hein. T'allais jusqu'au fond du couloir. Jusqu'au fond du couloir. Alors qu'il manquait deux clés. Ouh. Oh le nul. Salut Panda, tu aurais une technique pour faire les interceptions SP en solo? T'as plein de frames de bien pour ça, copain. Déjà quand tu joues des frames comme Mesa, quand tu joues des frames comme Mirage, Baruch. En fait, tu vois les mêmes Sarin, tu vois. Sarin, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Si t'as été chercher deux shards vertes en plus, c'est encore plus fort. En fait, là, tu vois, ta question, Bernoir, elle est révélatrice qu'il y a peut-être un truc que t'as manqué dans ton gameplay. C'est de prévoir une frame pour certains types de missions, tu vois. C'est très important, les gars, de se dire à un moment donné, sanctuaire, interception, tout ça, il faut que j'ai une petite frame qui gère ça, tu vois. Tu peux faire une pierre 14 coups avec une frame comme Mesa, qui va gérer à peu près tous les mobs dans tous les modes de jeu possibles et inimaginables. Baruch fait pareil aussi, il gère... Bon, la liste des frames, elle est longue, hein. Ah, pardon. Je peux te faire que démonstration après si tu veux après, mais... Qu'est-ce que t'aimes jouer? Dis-nous directement qu'est-ce que t'as déjà de monté, Bernoir. On te dit qu'est-ce que tu pourrais perfectionner pour essayer de faire un truc bien dans ce projet de réussir à faire les interceptions en solo.
Attends, j'ai même pas eu le la force. Ah non, je devais avoir le 3 de désactiver. Quelqu'un t'avait dit aussi sur le chat que t'avais plus de problème. Ah ouais, ouais. Ah merci, Cyril. Ah bah écoute. C'est dommage. J'aurais aimé montrer la forme spectrale. Espérons que je remeure avec. Avec le 3 d'actif. On se stream en mode j'espère mourir. Si tu veux, on laisse toxine. Hein. Dès qu'il y a toxine, on le laisse. Non, ça va aller. Moi, je peux m'en passer vraiment. Ah et oui. Tu veux le gars qui va être tranquille, tu vois. Bah, c'est vrai. Et celle qui va esquiver. Bon, ça me dérange pas. C'est vous qui voyez. Ah, laissez-les-moi, laissez-les-moi. Après, je peux m'en passer aussi. On te les laisse, on te les laisse. Allez. Bah, tu l'es. Allez. Bah, tu l'es. Tu me fais paniquer. Mais tu l'es. Il a appuyé sur toutes les touches. Vous voyez, il arrivait pas. Bonjour à Doudou, bonjour à Azrael, ça m'a élite. Hello Panda, merci pour les conseils, je passe le cap des 3000 plates en vendant beaucoup de minerais et de poissons. Et ben voilà, ça marche alors. GG à toi, 3000 plates en faisant des minerais et des poissons, frérot, t'as fait fort. Hein. T'as fait très fort parce que t'es bien pour couvrir tes dépenses, acheter des slots et tout ça. Hein. Aller jusqu'à 3000 plates, t'es un grand malade, sache-le. Hein. T'es un grand, grand, grand malade. Mais ça va, tu fais tes trades vite tous les jours, poteau. Comment tu vas? Ça va très bien et toi, mon Azrael? Bonjour tout le monde, bonjour à Sama Elite. Un peu en retard, j'espère que ça va très très bien et toi? Non, t'inquiète pas, hein. J'espère que ta journée s'est bien passée, Sama Elite. Hein. Hop, on prend la blanche, on va la mettre. Salut, je suis en train de me faire des builds sur toutes les frames, mais j'ai un problème avec Neza, je comprends pas sa force. Ah bah là frérot, tu peux pas dire ça. Hein. Ah. Il y a un mode augmente qui vient de sortir, lien sombre, avec notre très cher Neza, poteau. Le copain il est en train de le jouer là en steel pass, tu vois. C'est très très fort, hein. C'est extrêmement fort, j'avais fait une démonstration le jour où il était sorti. Avec le build sur la lune en plus. Ah regardez les gars, regardez, je suis mort. Regardez ce que ça fait. Le contour là, vous voyez le truc noir autour. Et en fait du coup j'ai un timer sur mon troisième pouvoir. Et que je vais le récupérer dans quelques instants. Et je vais pouvoir avoir à nouveau un feindre la mort. Donc là quand vous mourrez, bah vous mourrez pas. C'est génial. Il arrive moi. Non, il me laisse. T'inquiète, mais je suis trompé. J'ai fait une erreur sur mon revenant. Salut tout le monde, salut Panda. Un grand merci encore pour. Encore une fois pour hier. Tu régales de fou avec grand plaisir, boss. Avec grand plaisir, poto. J'espère que tu t'es bien amusé, copain. Non, c'est son secret, Pierrot. Il va pas te le dire. Il va pas te le dire. Dis-le pas à Pierrot, poto. Faut pas lui dire, hein. Faut que ça reste entre nous. Que ça, c'est une technique secrète, les gars. Les gens, vous avez tort de croire que c'est une technique qui marche pas, le coup des poissons et des minerais. Hein. Y a pas grand monde qui fait ça à chaque fois. Tout le monde sous-estime ces techniques, alors que les gens, quand ils vous en achètent 6 d'un coup. Ils achètent ça à 3-4 plates unité. Du coup, vous avez largement moyen de vous mettre bien. Ça marche parce que les gens ont la flamme. Ouais, ouais, pour faire leur répute, pour faire plein de trucs. Hein. Les gens, ils ont juste la flemme. Ouais, quand t'as décidé que tout de suite tu voulais ton ampli, il faut tel poisson pour l'ampli, bon bah tu peux avoir ce réflexe de dire bah tiens, je vais acheter des poissons. Si les gens savaient un peu plus que ça pouvait s'acheter, ça se vendrait encore mieux. Il y a un bug avec Jean, il reste des fois... Ouais bah là je crois qu'il est bugué, ouais. Il faudrait que je meure pour que ça puisse partir.
Du coup, je vais avoir l'effet visuel tout le temps là. Bon, ça fait un petit effet, hein. Ça fait un petit effet. Allez, il nous reste 10 rotations, les gars. On a déjà fait 35. Et ce sera fini. Grâce à moi, c'est moi qui ai tout fait, les gars. J'ai carré mon équipe. Là, c'était 3 bambis. Oh là. La qualité des bambis, c'était fou, hein. J'avoue que c'est mon premier level cap et merci à toi de m'avoir fait découvrir. Avec plaisir, pas. Avec plaisir, poto. Mais c'est la dernière fois, t'étais trop nul, hein. Ah, ok. Je rigole. Oh non, tu rigolais pas. J'entends plus. Il y avait une part de vérité, je pense, en dedans quand même. J'ai entendu dans ce cas. Ouais. Ça se voit, j'avais des comptes à régler, hein. Non, je rigole, mais c'est mon premier level cap. Bah voilà. C'est le baptême. Ah bah ça va, je tombe avec vous, y'a pire. Ah, c'est ton premier level cap, poto? C'est fou. Ah ouais, vraiment? Mais alors, non. Sans compter le circuit. Ouais, le circuit ça compte pas, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, t'es. Ça, t'as 25 000 décrits au cul là, frérot. Ça carie de fou. Hein. Et je connais qui arrive. Qui... Ça va? Mais c'est très bizarre en fait, c'était un bugger. Moi je reste avec Panda pour la solidarité. Ouais, pour m'empêcher de jouer, ouais. Non. J'ai joué au milieu. J'ai des vagues. Tu sais que je le proc souvent, hein, le 40% de multishot, hein, frérot. Hein. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il proc sur les trash. Alors du coup, j'ai le buff après. Hein. Après, je crois que c'est que 3 secondes ou 2 secondes. Ouais, ouais. J'ai pas fait de dégâts, je suis triste. Merci mon éternel. Bonjour à Nicolas. Technique de Ratus. J'ai encore acheté hier parce que flemme énorme. Ah ouais, vraiment Akirot, ça t'arrive d'acheter du poisson? Il est où les dolos? Non mais Berat. Les gars, c'est dur, hein. Les potes, les gens qui font du marché de poisson. Y a pas de ouais lesquels. Ils les font tous! C'est pas frais ton poisson. Arrêtez à chaque fois avec ces questions nulles! Tous! Y'a pas de une seule ou pas. Non, tous! Tu fais une session poisson, tu vas farmer tous les poissons de la terre, tu gères tes stocks. Et tu vois celui que t'as plus vendu qu'un autre. Tu les fais tous les mondes ouverts. Cetus Fortuna Demos. T'apprends tous les emplacements, t'apprends tous les trucs. J'ai l'impression, tu sais, quand quelqu'un me pose cette question-là, Berat, c'est par fainéantise. Il se dit, moi je compte en faire le minimum, dis-moi directement laquelle qui se vend le mieux, et je ferai que celle-là. C'est ça que j'entends. Il faut pas raisonner comme ça, c'est parce que vous raisonnez comme ça, les gars, que vous vous pénalisez à chaque fois dans votre manière de jouer. Tu les fais tous! Et lui, il a dit, il faisait aussi les minerais. Du coup, il fait une session pêche, il fait une session poisson... il va en avoir énormément, il va diversifier ses ventes, et le fait qu'il diversifie ses ventes, les gars, c'est là où il va se faire des plates, c'est là où il va se faire des trades très rapidement, il va pas attendre 107 ans qu'on le contacte. C'est là où il se tape des 3000 plates, les gars. C'est pas comme ceux qui veulent impérativement, on leur donne... Et là, je te troll, poto, je te donne juste le poisson que tu veux, je donne un nom. Je dis, ah ouais, il faut les cerveaux fiches, allez, vas-y. Et toi pigeon, tu vas te faire avoir. Non, fais-les tous. Cetus, Fortuna, Demos, tu les farmes tous. Là, je t'ai attrapé par l'oreille, mais c'est pour ton bien. Ça fait... Yo, ça fait du level cap, oui. Ah ouais. Voilà, c'est giga chill. Hein. Je suis avec une équipe de fous furieux. Ils me laissent à peine jouer. C'est ça. J'ai jamais fait aussi peu d'efforts sur un level cap que là, tu vois. En plus là, je joue un gameplay un peu plus lent parce que, tu vois, quand je veux ce triple armure, il faut que je fasse ça, plus après je mette mon 4, il faut que j'attende que cette animation se fasse. Et eux, ils arrivent derrière, ils mettent un cachou, ils se barrent. Voilà. Un qui joue Renan Fellars, il devrait mettre vraiment un cachou, il se barre. Ouais, mais j'ai fait une erreur, sans buff revenant. J'ai oublié de mettre Exata. Bonjour à Kaboom, bonjour à Max, Maxou Pekou. C'est vrai que ça marche moins bien. Ouais.
J'ai roi, donc ça marche moins bien. What? Il a pas fait. What? Il prend pas d'ailleurs? Pas de toi, que de moi. Ah, mais je crois que j'ai tiré sur. Ouais, j'ai tiré sur combat, c'est possible. Ça va finir par se voir, hein, poteau. Mais tu es bandeur, en fait. Vous voulez ça va finir par se voir, frérot. J'avoue, je suis jaloux un peu. Je me demandais comment il avait un crâne aussi luisant. Et... en plus, luisant, c'est pas joli, hein. Oui, c'est joli. Bah non, luisant, frérot. Envie de faire un bisou dessus. J'ai déjà vu. Qui a déjà tenu un poisson dans ses mains, les gars? La peau du poisson, elle est luisante. C'est oui, pas c'est jojo, hein. Mais c'est un poisson. C'est écœurant à toucher et non, tout. Moi, n'importe qui a déjà pêché, il aime pas, il veut pas qu'on lui dise qu'il est luisant. C'est un poisson, c'est normal, c'est moche, c'est un poisson. N'importe qui a pas lavé ses cheveux depuis une semaine, il veut pas qu'on lui dise qu'il est luisant. Quel cheveu, Maxou. Oh putain, t'as enfoiré. Elle était vive celle-là. Bon, lui était bien. Moi j'ai bien aimé. Non mais j'ai son syndrome, je commence aussi à perdre mes cheveux. Ah, t'as raison avec Hérodin. Ça la grosse calvaire. Depuis que je le regarde jouer. Toi aussi tu commences à subir. Viens en Turquie avec moi, frérot. Bah vas-y, hein. Tu payes le voyage, j'y vais. Ah ouais? C'est parce que t'as enlevé Galvenes Aptitude, ça. Non. C'est cher, hein. Ah, ouais. C'est 2-3 000 euros, ouais. Ouais, bah, tape sur 3 000, comme ça, au moins, c'est large. Tu vas pas te retrouver dans une cave. Ah bah, t'as pris la formule à 2 000 euros, voilà, c'est dans une cave. Oui, mais monsieur, il y a des rats. Oui, bah oui, il y a des rats. Écoute, c'est le prix, il fallait payer plus cher. En fait, ça, c'est le pire des buffs, moi. Bonne classage. Au pire, je mettrai des casquettes, hein. Bah regarde pendant. J'ai fait ça, je crois, ça marche super bien. Tu sais que ma femme, elle déteste que je mette des casquettes, hein. Ah ouais? Ah ouais, elle dit que je suis moche. Tu sais que Ménès, poteau, elle est tellement matrixée, elle aime pas les chauves, tu vois. Elle est un peu phobique des chauves. Elle préfère que je laisse pousser mes cheveux, qu'il en manque un gros tas au milieu. Elle préfère que je laisse pousser comme ça, j'ai l'air d'un fou, que je les rase. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et une fois, je le raconte à des amis, tu vois. Et mes amis, ils disent, bah, elle a raison. Voilà. Okay. Je suis entouré de plein de gens qui pensent comme elle, tu vois. Ils aiment bien le profil du fou. Voilà, profil du fou, là. Comme ça, en stream, je les prendrai sur les côtés, comme ça, je les montrerai. Ça, je veux voir quand même. Il va les niquer. Il y aura un petit SOS Bambi, on pourrait en faire un rapide. Je pourrais prendre quelqu'un en 2 spi, ça pourrait être sympa. Moi, je prévois de faire. Je prévois de faire pas mal de streams cette semaine, de toute façon. Moi, je veux bien. Allez. Je veux savoir, tu joues comment, Neza? Je connais pas la frame. Je joue comment, Neza? La baguette. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, poteau? Comment tu joues Neza? Je connais pas trop la frame. Je lance son troisième pouvoir, je fais en sorte de prendre des dégâts à ce moment-là, comme ça je le charge sa mère. Après je mets mon 4 bloquer les ennemis, j'en tue un parmi ceux qui sont bloqués, et ça va envoyer tous les statuts sur tous les autres et je suis heureux. Après je danse. Tu danses? Ok. Et la Macarena ou pas? En fait c'est la question la plus importante après. Quelle danse, ouais. Quelle danse en fait. Quelle danse. Tu vois... Tectonique. Tu sais, tu fais comme ça là, et tu sais, tu balances tes jambes sur les côtés là. C'est le principe de danser, ouais. Ah, t'as pas vu en stream? Bah non, hein. Je suis en train de jouer. Et t'as qu'un seul écran, c'est incroyable. T'es le seul mec de la commu qui a qu'un seul écran. Là, tu sais, tu fais un L sur ton front, et tu balances tes jambes sur le côté. Oh putain, oui. C'est une danse Fortnite. Moi, j'ai été pro Fortnite à une époque. Et parce que j'étais trop toxique, après je suis venu sur Warframe. Minecraft, il a été pro. Salut Abrax. Call of et tout. Bonne nuit, mon Zetokun. Sur League of Legends, tu vois la veine du front qui. En plus, tu vois bien. Elle se voit bien la sienne. Ouais, tu peux, les EX.
Bon, là, dans le cas de figure où je suis, vu que j'ai déjà un strip et tout, je mets déjà le viral avec mon arme. J'ai pas pris Grendel, j'ai pris Rhino. Vous que j'applique plein de statuts et tout, je veux amplifier ça. Mais si tu veux mettre... j'ai un autre build de ce frame là, je joue avec Grendel. Hein. Grendel c'est aussi très très bien. Hein. C'est selon ce que tu joues, c'est selon... Tu vois, il faut maintenant... c'est ça qui est compliqué mon poteau, c'est que... Ah, maintenant ce que tu veux jouer... je devais pas avoir le 3 d'actif. Selon ce que tu veux jouer comme arme et tout, faut savoir, faut apprendre à adapter. Est-ce que tu prends Rhino, est-ce que tu prends ci, ça. Tout ça, c'est hyper important. Hein. Et bien évidemment que tu joues Grendel. Dans toutes les situations où tu peux jouer Rhino, tu peux aussi jouer Grendel parce que tu as une raison de le faire. Je sais pas, mais il m'empêche de... Ah ok, d'ailleurs. Il m'empêche de forcer en frame, c'est chiant. Attention à Nox. Ah. Ah bah ouais, du poison. J'ai mal. T'es mort avec Revenant ? Ouais. Ah là, c'est la deuxième fois. Hein. Et... Alors écoute, tu veux vraiment qu'on en parle ? Oh. Il faut qu'on le banne du coup ? On a dit que tous ceux qui meurent avec Revenant, on les banne. Oui, tu peux y aller, oui. Oui, on a dit ça. Discord, Twitch. Bonjour Exetec, bonjour Lunoma. Qu'est-ce que ça dit ? Moi je l'ai déjà mute, hein. C'est bon. Ah. Tu pourras transformer en moine, te déguiser en moine si tu laisses pousser. Ah, je pourrais, hein. Après, appelez-moi frère Tuck. Et quand on me posera la question, ben pourquoi frère Tuck, j'y arrive là, j'en ai marre. Quand quelqu'un, tout le monde veut se déguiser en Robin des Bois, moi je suis en frère Tuck. Alors y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? Ouais, je vois pas bien en bas à droite, ouais, j'ai pas le choix là. J'ai envie de mourir volontairement. Ça va réinitialiser mon mieux augmenté. Moi j'ai une jaune de base là. Il nous reste 4 OTA les gars, on a terminé. On a fait un excellent temps. Hein, Vraiment les gars, au début quand je disais aux gens, je me rappelle, si on remonte dans les anciennes vidéos les gars, je dis aux gens, hé les gars, faire 2 heures pour un level cap, c'est bien, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et là maintenant on fait des même pas 1h30, là c'est incroyable. Non, mais c'est parce qu'on a le M. Tu sais que la dernière fois on a fait 1h30, j'étais avec 3 Bambi, hein, poteau, hein. Il y en avait 2, c'est leur première fois. Hein. Il y en avait 2, c'était leur première fois en level cap, hein. Attends, ça veut plus rien dire, les gars. Hein. Il y en a... Là, dépêchez-vous de vous améliorer, parce que ils arrivent, hein, les mecs. Hein. Ah bah, si, ils font 1h17 sans Nova. Let's go. Ah ouais. Bon, ils jouent tous Revenant Tauride, mais... Oh non, non. Là, on a genre Ghost DVX. Cosmar. Il tabasse le Fury. Ah ouais, il tabasse le Fury, ça. Tabasse de fou. De toute façon, je ferai une rotation à la fin, les gars. Sans les copains, ils vont tous aller proche de l'extract. Ouais. Ah, hey, vous jouez le jeu, les gars. Hey. Non, on joue le jeu. Oh, t'inquiète. Quelle bande d'enfoirés. Bizarrement, j'y crois zéro. On va être sûr de toutes les clés. Dès qu'il va me jouer, on va se mettre à deux la main. Bah. Zoé n'est pas là aujourd'hui. C'est pour ça que je passe pas un bon moment. Je rigole. Pauvre Vulga, il était triste. Quoi ? Je pensais que ça te ferait plaisir. Non mais... Time-le pour voir. Les gars, je passe juste derrière, tu sais. Après, c'est la moitié du temps, mais... Bon, je suis quand même content. J'ai rien vu. C'est moi qui ai tué ça, là ? Ah ouais ! Des fois, ça me choque. Panda, j'arrive. Ah, dès que mes canassons sont passés, poteau, je le fume tout de suite. Hein. Ça tabasse, hein. Ah, ouais. C'est trop fort. Hein.
Et la prochaine match, c'est le 18, non? C'est ça? Ouais, semaine 3, ouais. Merci. C'est, en fait, c'est rare qu'ils soient les mardis, mais là, ça, c'est un mardi. Mais la dernière fois, c'était un mardi, non? Ouais, je sais pas. Je sais plus. Mais pour moi, de base, c'était souvent un mercredi. Non? Oui, ça, oui. Ça... attends. Non, c'est pas la société Prime qui est un mercredi plutôt? Ouais, faut que je n'ai droppé la clé, je pense pas. Ouais, je crois que c'était tout en fait, hein, en même temps. Ouais. Bon, on s'en fout. Ça sort le 18. Mmh. Ah, un jour tu viendras avec moi, Cyril. Un jour tu viendras avec moi. Tu verras que c'est chill. N'hésitez pas les gars hein, à faire justement, si vous voulez débuter dans le level cap, faites votre build et tout ça et puis vous venez avec moi. Moi je vous jugerai pas les gars. Alors, il a dit quand même avant, ouais, le revenant il est mort et tout. Moi j'avoue. Non mais je suis pas, non, mais non, mais tranquille. Ben, dis la vérité, tu t'es senti jugé? Dis oui. Non. Oui, comme si il va, quand il réfléchit longtemps, ça veut dire non. Pour quelqu'un, c'est un ouais, truc psychologique, les gars. C'est juste que je sais pas comment le dire en fait pour éviter de vexer. Oh. Dis ouais, ton gros crâne. Non. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Je croyais que ça allait m'arriver. Hein. Je suis senti jugé par un chauve en plus, c'est terrible. Oh non. Ouais, mais au soleil, c'est ébloui. Ouais. Là, c'est la réflexion de la lumière en fait. Il y a trois démos là, faites-vous plaisir. Oui, vas-y, Panda. Je vous les laisse. Là, je suis gentil, je vous laisse. Bon, en vrai, c'est très tentant, mais je vous les laisse quand même. Parce que mon Fury Prime va résister. Je vous les laisse. Non, je vais te tuer. J'arrive. J'ai pris un nullifier au même moment, une demi seconde avant quoi. J'ai vraiment pas de drop life sur ce mode là, hein, c'est une blague. C'est mettre au gros crâne. Ah Panda. T'as deux jaunes, c'est ça? Tu sais ce qu'il a dit Mewberu? Ouais j'ai deux jaunes. Mewberu il a dit dire que les astrophysiciens ont cru avoir découvert une nouvelle planète habitable, mais en fait c'était juste ton gros front. Attendez que Ménès a finisse la toile les gars, vous allez rigoler. On va faire gagner 10 posters de mon crâne. Ah ouais, bien. Moi je suis prêt à les payer. Grand payeur. Alors on en fera que 10. Après ça coûte cher hein. Vraiment je savais pas que ça coûtait si cher de faire un poster. Alors que quand t'achètes un poster de Justin Bieber à Jiffy, ça coûte 4€, tu vois. Ouais, mais. Tu fais ça pour nous ? Il y en a un qui est quand même mieux que un autre. Enfin, voilà, quoi. Ouais, bah, acheter un poster de Justin Bieber à Jiffy, et ça coûte pas cher. Ouais, mais c'est plus rentable. Mais faire. C'est plus joli. Faire un poster, poteau, l'imprimeur, là, on a vu avec lui, c'est 14 balles. Le poster ? Ouais, le poster. Après, il gère l'envoi, il gère tout, tu vois. Il gère l'expédition, tu dis à quelle adresse, il le met dans un tube là pour l'envoyer, il gère absolument tout, tu vois. Mais 14 balles unité. Je vais prendre la PP Twitter de Panda, je vais en faire un poster. Ah, ça fait cher, hein. Écoute-toi, Panda, t'as des posters de Justin Bieber, c'est ça? On a dit qu'on jugeait pas ici. Ouais, on a dit on bouge pas. Voilà, ouais, j'ai Justin Bieber, Hélène Segarra, j'ai. Anna Montana. Anna Montana aussi, j'ai. Pas mal. Fais des points sûrs dans la musique. Hey, il connaît, hein. Juste le bazarin, légèrement, du mal, sans nuage. Je l'ai là le nuage. Hein. J'ai pas nuage moi. Et j'ai tellement plus habitué au jeu bazarin, j'avais oublié qu'il fallait nuage. Ah merde. Ah bah, moi j'ai débloqué nuage, maxé il y a deux jours. Oh quel bonheur. Ah, t'es un peu en retard sur les arcanes j'ai l'impression. Hein. Ouais totalement. Mais je suis en retard surtout, t'inquiète. Ah, oh, quelqu'un peut prendre la clé les gars avant de tuer le démo? Prends la clé, poteau, prends la clé, Vulga. Prends la clé, je le tiens. Elle est là, Vulga.
Allez là, mes pieds. Allez. Ah, c'est bon, tue-le. Non, véridique, je ne l'avais pas. Ok. Là, j'ai deux clés là, les gars. La prochaine rota, ça va être du rapide. Hein. Calme. Oh là là, oh, je vais faire un massacre. Vous avez le droit de m'insulter, hein, mais je ne la voyais pas. Non, ah ouais. Insulte pas, va t'insulter. Enculé, pas tout de suite. C'est ça. Il s'est retenu, mais il a pas pu. Il y a plein de gens, vraiment. Il y avait 40 minutes. T'inquiète, j'en avais deux. N'oubliez pas, hein. Faut laisser les choses. Ils vont tous se désabonner, ils vont se dire, ouais. Le gars, il insulte ses viewers. Il est très enculé. Attends, je me suis insulté. Il m'a jugé aussi. Je te laisse, moi, je te laisse. Pour l'honneur, je te laisse. Ah, c'est juste que j'avais pas mes galvas de... vu que je suis resté avec les clés là. Ouais, au moment où je te laisse, t'as pas tes galvas. Ouais, ouais. Ah, mais là, j'avais pas de galvas, j'ai rien du tout là. Là, faut que je refasse des kills et tout pour remonter mes galvas. Bon, une fois que je suis en level 4, je vais faire mes scans si marrant. Ah, là, je les ai, ça va beaucoup plus vite. Ah merde, j'avais pas mes buffs, enfin j'avais rien du tout là en fait. Ouais, mais c'est pas grave, je l'ai tué. Bah, j'ai joué level 4, hein, du coup 46 rotations. Allez tous à côté de l'extract, les gars, je fais la rotation, la prochaine rotation, je la fais tout seul. Les gars, j'ai fait une rotation level 10 000. Les mobs level 10 000 de. Voilà. Même les trash et tout ça, je les. Bon, à la rigueur, si vous voulez m'aider, tuez les trash, mais vous faites pas les démos. Ok, ça marche. Ah, je sais pas comment je suis en trash. Bon. Il a dit quoi? Il faut faire que les démos et lui laisser tous les trash. Ça, ouais. Comme ça, j'ai plus vite les clés. Là, si vous partez à l'extract, c'est vrai que. Toi, si on va à l'extract, il y aura pas de mobs vers toi, il y en aura beaucoup vers moi. Ouais. Et s'il faut mettre les 4 clés d'un coup, on met les 4 clés d'un coup, bonhomme. Ouais, oh. Tu t'en charges, de toute façon, des démos. Je donne 200 plates par démolisse que j'arrive pas à faire dans cette rotation. Ok, alors, préparez-vous. Oh, quoi? Ah, à tes mates, on est d'accord, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, gagner, en GR. Non, à tes mates. Oh là là, quel ardage. Ah ouais, celui-ci est beaucoup moins envahissant, là. Moi, je vais tuer une démo, alors. Voilà, et de 1. Ah, et de 2, ah, c'était moi les mots. Et tu vas avoir toutes les clés normalement. Voilà, je mets mon 2, je mets mon 4. Pas du tout mes buffs. Voilà, c'est bon. Là, j'ai la orange. C'est où? C'est là-bas. Non, mais je la sauce pas. Juste avec le 4, les gars, regardez. Regardez, est-ce qu'il y a un petit paco, c'est pas loin. Là, je mets mon 2, je mets mon 4, les gars. Ça tue tous les mobs, même level 10 000, les gars, juste avec le 4ème pouvoir. Mais il t'a mute, hein. Juste avec le 4ème pouvoir, regardez, les gars. Qu'est-ce que t'as dit, mon poteau? J'essaie de. Hop. Je fais le dernier. Je vois que tu l'as mis pas mal de statues dans la tronche. Ouais. On enchaîne avec le petit dernier démoliste là-bas. Hop. Ah, il a réussi un petit peu. Voilà. Je mets mon 2, je mets mon 4, je lui triple armure. Je mets mon 2, je mets mon 4, je lui triple armure, voilà. Et là, je le tue instant avec le Furis. Avec le Furis, les copains. Désolé, c'est des zouaves à côté, ils vous ont pas laissé bien regarder. Enfin, dernière, mais moi je vais jouer une démo là. On va faire une rota? Ouais, tu vas faire une rota là? Ouais. Bon. Ça, je peux record. Allez. À nous de. Ah bah j'ai. Ouais, comme ça, quand on a, tu peux scan tranquille. Ah bah je vais tuer. Je te pose les clés quand même. Ah ouais. Y'en a un qui a été mis là. Moi,
je sais même pas pourquoi je prends le carnon. Tu sais, sur la salle de 6 balles, il y a une seule balle qui touche, ça le tue. Ah. Chut. C'est qui j'ai 700 MS. Let's go. On a pas un cap là. Non, mais j'ai une deuxième séance si vous voulez refaire une rotation. Ah, mais non, elle était posée, c'est juste que je voyais pas le film. Si vous voulez refaire une rotage, encore une fois. Ah non, mais on va arrêter là, faut que j'aille. Faut que j'aille voir. Non, non, on kidnappe. On va faire comme les gens qu'on kidnappe en cascade là, ça prend 5 Allez. Jours. Hop, il reste plus qu'une clé à trouver. Ouais, je crois qu'il y a pas de mob ici. Tu veux en faire le M ou quoi? Elmo. Elmo is dead. Ça y est, on a perdu. Oh, s'il a crash maintenant, il perd tout. Il a vraiment putain. Crash. Il a vraiment crash. Mais non. Mais non. Là, c'est la faute à Solalune. Il a fait faire une rotation de trop. C'est my bad. Ouais, on l'attend quand même. Ouais. On l'attend. Ah, je vais faire les scans en attendant, les gars. 6000. 6000. 6000. Voilà, j'ai fait mes 32 000 de réputation journalière en 2-2. On se met à côté de l'extract. Je sais pas s'il peut revenir. Il va me quitter le vocal. Oh non. Attends, ou je mets la clé et je suis quand même. Comment c'est possible de jouer contre des mobs aussi haut niveau? Ben moi, mon travail, c'est de vous apprendre à faire ça, Abrax. De plus avoir peur du level des mobs. Le level des mobs, c'est de l'eau. Voilà. Pourquoi j'entends un déboliste? Parce qu'il y a seule une qui est offert en attendant. Ah ok. Bah, il y a seule une à terre. Merde. On a l'extract, nous. Tu vas réussir à 13, poteau? Je vais le chercher. Pas bonne question. Je vais le chercher. Techniquement, ça devrait pouvoir le faire. Là, on a quelqu'un qui a crash, les gars. On peut pas extract, sinon il va perdre ses loot. Ah bah, regarde. Ah, comme ça, on a tout au côté. Ah, yes. Moi, j'ai tout le coup de la gueule. Eh bah, putain. Je sais pas où il est. Et du coup, comment il va faire si... Bah, je pense que... Ah, t'inquiète, il peut pas... T'as pu revenir. Il peut pas revenir vu que l'objectif a été accompli ou autre comme ça. Non. Sur le stream, il a mis un truc. Quoi. Ah, t'inquiète. Ah, il est là. C'est bon, j'ai pu récupérer mon loot. Hein. Ah, ouais, d'accord, ça t'a pas remis dans la game avec nous, mais t'as pu récupérer ton loot. Ouais, je me bug. Ah, ok. Oh, bah, nickel, ok, go extract. Ah, on était dégoûté pour toi, frérot. Ah ouais. Ouais. Salut Anatra. Moi j'ai c'est la photo sur la lune et elle voulait faire une dernière rota. C'était comme ça, j'ai saboté. Donc voilà tout ce qu'on a eu, les copains. Bon, en réalité, on a mis 1h20. Hein. Juste qu'après, on a traîné, j'ai fait une rota de plus. Après, sur la lune, il voulait lui aussi une rota de plus. Il a dit, viens, on fait une rota de plus, comme ça je dédosse le M et comme ça il crash et il perd tous ses loots. Et je sais pas si vous avez vu le MP tout à l'heure. Et du coup, on a eu beaucoup d'axi, d'accord. On fait principalement ce mode de jeu pour avoir pas mal d'axi. On a eu pas mal de style essence. Ensuite, bon, les brisures even, des arcanes, ça aussi on pourra les scrap. On a eu 6 médaillons universels, c'est beaucoup, c'est énormément. Par contre, pour une fois, les gars, ça n'est pas arrivé depuis probablement des années. Nous n'avons pas eu de set de Ghost. Voilà, on a eu 6 médaillons, hein. Je n'ai jamais vu 6 médaillons dans une seule game, mais on n'a pas eu de set de Ghost, voilà, normalement il nous manque au moins 1€. Et après voilà, pas mal de mods, pas mal de ressources, hein. Tout ça c'est utile. Bien évidemment les copains, s'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est très important de faire des level cap? Non, c'est que le défi entre vous et le jeu les gars,
D'accord, réussir à faire des level caps, c'est juste pour la rigolade, c'est pour s'amuser avec les copains, tout ça, faire des trucs un petit peu difficiles, un petit peu exigeants, hein, vous voyez, si on fait mal les choses, on se retrouve au sol, hein. Bah après c'est pas grave, hein, les copains ils viennent nous raise. Mais c'est avant tout un défi, le plus important pour vous de savoir le maîtriser, c'est de faire 30 rotations. Voilà, du moment où vous savez faire 30 rotas, vous les faites en une heure, et ça vous permet de récupérer énormément d'axis quand il y a des prime access ou des trucs comme ça. Ça vous permet de récupérer beaucoup de ressources. Et en tout cas, je voudrais remercier Solalune, Vulga et le M. Merci de m'avoir suivi, les copains. C'était vraiment cool. J'espère que vous êtes éclatés, vous aussi. C'était sympa. Bon, merci. Hein. Vulga, merci, les copains. C'était pas eu ton bon setup, du coup, t'as dû. Ouais, ça me fait chier, mais j'ai oublié Xata. Ouais, c'est roi, donc bon. Tu sais que en plus j'ai hésité à le dire tout à l'heure. Putain, ouais, c'est bien. En plus, tu vas jouer Xata et tout, mais je l'ai pas dit. Mais le pire, c'est que j'ai un build de Xata avec Revenant et j'ai juste oublié de le rendre. Je mérite des patates. Oui, oui, on peut y aller. Mais ça va. Ah, mais c'est toi. Mais le pire, c'est que il est là. Vulga, comment on apprend? En faisant des conneries. En faisant des conneries, poto. Voilà. Donc nous, on va te ban une semaine, mais en faisant des conneries, on apprend. Non, je rigole. Non, ben voilà, tu as fait la bêtise. T'as fait la bêtise, voilà, c'est pas grave. L'Ubixata, il meurt avec Revenant. Ah, mais tu sais que je me suis déjà retrouvé dans une situation où les trois joueurs, poteau, ils avaient oublié quelque chose. Normalement, on aurait dû arrêter, tu vois. On a quand même fait le level cap jusqu'au bout. J'ai dit, les gars, c'est bon, on y va. Je fais tout. c'est faisable, hein, donc faut pas t'inquiéter. Ok. Allez. Je vous fais des bisous, les gars. Merci à vous. Merci infiniment. Allez, je vous dis à plus tard. À plus. Des bisous.